Hello! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine pour les cheveux bouclés. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup de volume, quand ça fait une jolie touffe. Là, j'ai lavé mes cheveux avec ce shampoing qui est le shampoing de chez Schwarzkopf Biologie, avec l'après-shampoing qui va avec. Sinon, j'utilise le shampoing et l'après-shampoing Garnier. Là, c'est en anglais, c'est Whole Blends avec de l'avocat et du shea butter. Donc je pense que c'est du beurre de karité. Là, je me suis lavé les cheveux, j'ai brossé mes cheveux. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Ensuite, je vais mettre ces deux produits. Donc ça, c'est la marque Schwarzkopf Biologie aussi. C'est le Deep Sea Extract for Damaged Hair. Donc c'est un sérum pour les cheveux cassés. Parce que j'ai les cheveux cassés, les cheveux bouclés, ça a souvent tendance à être sec. Ensuite, j'utilise ça encore de la marque Schwarzkopf, le glisse court, donc c'est l'huile Dream Hair pour des cheveux de rêve. Donc ça, c'est pour les pointes. Bon, j'ai changé de pull parce que mes cheveux sur le pull noir, on les voyait pas. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment j'applique ceci. Alors, on chute. Voilà, on chute comme ça. Parfait. C'est très important pour les cheveux bouclés. D'après mes années d'expérience en coiffure, j'ai coiffé des stars. Ouais, sinon c'était bien. Donc là j'ai appliqué le produit, donc maintenant avec mes mains, voilà, on fait comme ça. Là tout est dans le mouvement de la main. Bon, cette fois on le met sur la main. Peut-être que l'autre aussi. L'autre, je le mets sur les cheveux directement. Celui-là, je le mets sur la main. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose. Donc, en fait, moi, j'ai dit pour les pointes et moi, je l'ai mis là. C'est pas grave. Voilà, la même chose. Hein. Hop. Donc là, on a déjà une petite base. Hein. Là, maintenant, c'est le moment de mettre la crème vraiment qui va définir les boucles. Vraiment, moi, mon produit préféré, c'est celui-là. De chez Olive Oil. Donc ça, c'est une crème qui est très grasse et qui est aussi infusée avec... Infused with... Castor oil. Donc ils ont dit que c'est mélangé avec de l'huile de ricin et c'est une crème qui est très grasse, donc faut pas en mettre beaucoup. Sinon j'aime beaucoup cette mousse de chez John Frieda. Donc c'est une mousse pour les boucles. Et ça c'est une mousse vraiment qui ne durcit pas les cheveux et elle fait des boucles de malade aussi. Et cette crème ultra doux Garnier. Donc il y a aussi cette crème qui est très bien, qui rend pas les cheveux gras. Comparé à celle-ci c'est vrai que si t'en mets trop, les cheveux seront gras. Mais celle-ci, non. Là, je vais appliquer cette crème-là. Ça descend bien. Donc, vu qu'elle est très grasse, je vais en mettre... Une noisette. On mélange. Donc voilà, j'ai appliqué la crème avec le mouvement. Et maintenant, on passe au séchage. Donc, avant de me sécher les cheveux ou ses cheveux, je les laisse d'abord 20 minutes à l'air libre, à peu près 20-30 minutes à l'air libre. Et voilà! Donc voilà, j'ai fini mes cheveux, je les trouve super beaux là. J'aime bien comme ils ont séché parce qu'ils ont du volume et on voit bien les boucles. Et ils brillent en plus de ça. Donc voilà, la vidéo est finie. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, s'abonner. À l'heure où je vous parle, il y a un coucher de soleil magnifique devant moi. Donc... je vous quitte avec ce magnifique coucher de soleil.